te montrer un autre type de travail, c'est le travail à la quille. Donc on travaille avec une grosse boule et on fait plein de petits pots avec. Je n'arrive pas à lever la terre et je vois que tu le fais très bien. J'assis le grand apparence. C'est un tube de dentifrice en fait. Je n'arrive pas à lever la terre. Mais tu n'as pas besoin de la lever, tu as besoin de presser et c'est la vitesse qui... Je presse peut-être pas assez fort. Voilà. Tu presses, mais si tu bloques le dessus, ça ne peut pas monter. Mais pas pour une petite boule. Hein. J'ai 2 kilos, je suis un peu déjà. On m'a demandé une coupe à pied. Là, j'ai fait le mur, en fait. J'ai pressé. La main extérieure est plus basse que la main intérieure. Et là, je pince à ce moment-là. Mais il faut une stabilité complète. Tu vois le décalage ? Oui. On appelle ça faire la vague. C'est une coupe d'offrande pour un hôtel, donc je vais faire un petit décor sur le mari. Tu vois, on fait ce qu'on veut, hein. Je suis couchée sur mon bras, là. Ouais. Il ne bougera pas, hein.
Ça, c'est juste pour le plaisir, parce que ça, on sort pas du tout. Il faut que ça soit sur un rondeau. Sécurisant de faire sur un rondeau, je comprends. Oui, oui, oui. C'est à ça que ça sert. Ah oui. Oh, bon, ça va, la boule chauffe. Centré, puisqu'on descend au fur et à mesure la terre. Cette main-là, elle sert à rien du tout. Sinon, à tenir le, maintenir l'équilibre. Quand la terre a tout donné, on ne peut plus revenir dessus. Et ça, c'est un défaut qu'on a au début, c'est quand... Tiens, tu vois, elle s'est écrasée. C'est qu'on va trop loin avec la terre. Là, je ne sais même pas si c'est prudent que je revienne dessus. Je boucle à chaque fois la fleur. Donc là, c'est le geste, moi je dis, c'est le papillon qui se pose sur la fleur et qui ne la fait pas bouger. C'est un geste de cette nature-là. Il faut avoir quand elle a déjà donné beaucoup. Je suis calée comme pour la vague, hein. Il ne faut pas que ça descende. Oui. Dès que j'ai passé la moitié, en fait, tout est coupé puisque ça tourne. Oui, ah oui. Ça se recolle. Le fil est trop petit. C'est pour ça que je voulais le fil qui était sur la table. Celle-là. Et là, il est temps que je m'arrête, sinon il s'écroule. La terre se fatigue dans le geste, parce qu'à chaque fois, on est obligé de remouiller la terre, donc ça la fatigue.
travailler à la quille, il y a toujours ça qui va sauter.